Ouais, je pense qu'on l'a bien mérité, ce point. Je pense même qu'à la fin, on peut même l'emporter. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on a vraiment fait un bon match dans l'ensemble. Dommage la première mi-temps parce que voilà, c'est le seul truc qui nous manque pour, je pense, l'emporter. Pour l'emporter vraiment. Eerst zijn we een beetje moeilijk en dan de tweede helft begonnen meer te drukken. En dan na de goal zie je direct dat we opeens vertrouwen krijgen. En we konden misschien nog zelfs 1-2 maken en we hebben gevochten op het einde, zoals het moet. En première mi-temps, on a perdu un peu trop de ballons dans notre camp. Et du coup, on a vu plus vite que nous. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a bien redressé la barre. Et puis voilà, on a fait une grosse deuxième mi-temps. Je pense qu'en possession de balle, en occasion, voilà, je pense qu'on les a vraiment dominés. Et en deuxième mi-temps, on les a vraiment pas vus. Zelfs de gast staan we voor na 1 minuut met de kans van Zirko. En dan 10, 15 minuten later scoren. Hetzelfde manier, maar ze scoren dan. En dan staan we weer achter en dan is het wat moeilijker natuurlijk. Hè. Avant le match, ils disaient au moins de prendre un point. Et il fallait absolument en tout cas pas perdre parce que pour la confiance pour le match de Lokeren qui va arriver samedi prochain, un match très important. Donc voilà, après là, c'est bien, on a obtenu un point. Mais on va d'abord se focaliser sur le match de Mouron et après on va attaquer Lokeren, mais d'abord Mouron. Ja, ik was hier natuurlijk heel blij. Ik denk eerste baltoetsen direct binnen, dat geeft een enorme boost. Ja. Je pense que c'est important aussi pour notre saison. Parce que voilà, on sait que maintenant les playoffs 1 ça va être très compliqué et on va essayer de justement pas perdre trop de points pour la suite. Et puis après, maintenant la coupe, il faut gagner absolument en tout cas. Heel interessante match, want we willen proberen zo ver mogelijk in de beker te gaan. Er zijn al 3-4 topploegen uit. Dus dan weet je ook nooit wat je gaat krijgen in de volgende ronde als je nu bent. Dus een heel belangrijke match.